fait très très bien. Alors aujourd'hui, j'ai vu avec une nouvelle vidéo, c'est concernant un fruit. Le fruit, voilà, j'ai commencé à le couper. Ça s'appelle pitaya ou le fruit du dragon. C'est un fruit qui est au même titre que la fougue des barbaries. C'est un fruit qui est très très bon pour la santé. Pour 100 grammes, vous avez seulement 60 calories. C'est un fruit qui est bon parce qu'il vous apporte de la vitamine C, de la vitamine A. Et c'est un fruit qui est très bon au niveau métabolisme du système cardiovasculaire. Ce fruit vous apporte du calcium, des minéraux et très peu des glucides, et il vous apporte des fibres. C'est un fruit qui est très très bon pour la santé. Il est très digeste, il facilite la digestion. C'est un fruit qui est très bon si quelqu'un qui veut faire pas un régime, mais qui peut réguler, qui veut réguler et son poids, parce qu'il est très bon si on fait un si on fait une cure des détox. C'est un fruit qu'on peut consommer facilement parce qu'il est très faible en calories, riche en des vertus pour la santé. C'est long pour quelqu'un qui veut faire une diète. Et ce fruit du dragon est très important. Ses bienfaits digestifs ne sont plus à démontrer parce qu'il facilite le transit intestinal. Et alors, quand vous consommez ces fruits vous aident parce que si vous consommez ces fruits beaucoup dans votre vie quotidienne, si il rentre dans votre alimentation, alors ces fruits peuvent vous apporter, peuvent vous aider à faire disparaître le ballonnement. Si vous êtes sujette à des ballonnements, regarde sa couleur rouge et ses belles et couleurs, sa belle robe toute rouge et tous les petits graines là, c'est ça qui facilite le transit intestinal. Et ces fruits est recommandé pour, si vous voulez le consommer, il faut le consommer surtout avant le repas, ventre vide, ça facilite encore plus le transit. Il est très bon pour pour l'hypertension. Il est très bon pour faire. Alors, ces fruits est très riche en oméga 3. Il peut aider à faire de la prévention contre les maladies auto-immunes, les maladies inflammatoires. Et ce fruit peut aider aussi dans la prévention contre l'acide urique, faire baisser la goutte. À la goutte, c'est quand les personnes ils peuvent avoir soit les chevilles et les articulations qui gonflent. Et ces fruits peuvent vous aider à faire baisser l'acide urique dans le taux d'acide urique dans le sang. Et il ne faut pas oublier, c'est un fruit exotique. Le pitaya ou le fruit du dragon est un fruit exotique. Alors, il faut commencer à le consommer avec modération. Voilà. Alors, partagez, commentez. Et puis, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et puis, merci à toutes mes abonnées. Merci à toutes les personnes qui vont s'abonner. Je vous remercie grandement de votre participation. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.